où tout ce que les aînés sont en train de nous dire, Tozalina a l'impression que le bail était Kolinga Mukolo. C'est vrai, mon bail est signé à la Mukolo, il y a moi aussi. Voilà. Mais âge, il faut que ça soit raisonnable et le bien dans mon Patricia. Tout à fait. Bon, on doit se le dire, ceux qui sont avancés en âge, Baza Bato et Obaza déjà cultivé, on doit se le dire. Ce sont des personnes où Obaza n'a expérience, n'a éloco et ceux qui Baza n'anga si au cas où ils osent vivre na mutumoro ya bongo, tu verras que voilà à côté où vraiment à l'aise. Non mais bon, en termes d'amour, l'amour déjà n'a pas d'âge, dit-on. Et je pense que c'est une question, excusez-moi, assez cruciale. Malgré que l'amour n'a pas d'âge, il est toujours important qu'il y ait un certain écart, hein, donc un léger écart, ça il faut le dire comme ça, un léger écart entre les couples. Projet la baronne d'avenir. Par contre, papa oh, a 65 ans, voilà. Na, jeune fille, on a 30 ans, Lumamba. Le papa a ça livre moins mini. Bonjour, chers amoureux de la positive attitude, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce jour du 23 février 2021. Alors, clin d'œil spécial à vous tous qui nous prenez en cours en dehors de la RDC. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes à Lusaka, dans la République zambienne. Vous êtes à Dar es Salaam, là nous sommes en Tanzanie. Vous êtes également au Nigeria, vous êtes en Europe, plus précisément à Londres. Merci de votre fidélité. La team est déjà en place. Question de vous servir. Comme vous l'avez remarqué dans la première partie de votre émission, la partie déjeuner, alors nous sommes là pour vous servir car vous et nous constituons déjà la grande famille et surtout vous êtes la raison de notre travail tous les jours de 8h à 10h sur les antennes de Numérica Télévision. Patricia Ditoko, bonjour, bon mardi. Bonjour Lumamba, bon mardi à toi aussi, bonjour la team. Enfin, le bébé est né. Mm-hmm. Ça va? Oui, ça va non, bien. Ça va. Va juger, bah, on m'en va. Nous sommes très heureux de te voir.
Merci, le plaisir est partagé. Très spécial. Mm-hmm. Il y a les amoureux de la haine matin mm-hmm. qui ont commencé déjà à écrire depuis 6 heures. Je suis flattée en tout cas. Pour te dire un mot doux, gentil, des Merci. Verbes qui vont se succéder sur ce plateau. Merci. Alors, tous les amis de la chambre sont en train de te regarder. Voilà, bonjour à vous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin, après mon absence d'hier, bien sûr. Mais voilà, on est là. J'espère que vous allez bien. Et bref, de partout où vous êtes branchés, bienvenue à vous, à votre deuxième numéro de la N matin. Voilà. Alors, téléphone. Je suis un peu surexcitée, comprenez mon émotion. Donc voilà, ça sera comme ça aujourd'hui avec des fières. Comme ça. Alors, il fallait qu'elle soit absente hier, chers téléspectateurs. C'est vrai, parce qu'elle était encore en pleine agitation dans le ventre maternel et pour voir jour aujourd'hui. Déjà d'emblée, je vous informe que c'est son anniversaire, l'anniversaire de Patricia Litoko, la diva de la team, qui est née un certain 23 février d'une certaine année. Naropé Sabino, on était pour Bazoa Bastilo, pour Bandosa, déjà, va calculer. De toute façon, Naropé Sabino, Bambou l'a déjà aussi salémi à main. Déjà, Bino Boban, déjà, vous devinez. Tant bon monnaie, botin déjà, va message. N'ayant bon monnaie, à cause d'année, tu n'as pas gêné. Bon, imaginez, nan, botin de la biseau, déjà, va réaction, moi, vite, vite. Peut-être à gagner quelque chose. Alors, ça se passe comme ça. Réellement, B, bonjour, bon mardi à toi. Bonjour et bon mardi à toutes et à tous. Voilà. Après, c'est déjà réponse, Zan. Heureusement, Bandero Moussousou, Bayoki en moté. On a qui dit Oh, Bayoki, en tout cas, bon banane. Voilà. Voilà, on est là, on est là. On est mardi 23 février, fidèles téléspectateurs, et bienvenue donc hein, à tous ces gens bien sûr qui nous suivent à travers toute la ville province de Kinshasa, ouais. Vous êtes au-delà de nos frontières, voilà. Et bien prenez donc vos stylos et papiers pour tout noter, puisque de bout en comble, il y aura de l'information. Madame Soumoko Okoma, Bako Otuna Ope incessamment, et Kusuma Ope par rapport à Cursus Nayo, Ope Madame Nayo. Alors bienvenue à tous ces fidèles téléspectateurs qui nous suivent très précisément dans le coin Lemba, voilà. Le coin Lemba, Bao, Baebi, Baebi, pourquoi je dis le coin Lemba, voilà. Merci à Philippe. Alors, c'est avec cette équipe au plateau A de votre émission, mais le plateau B également est parfaitement occupé, chers téléspectateurs. Réellement B, qui va sûrement nous assurer et surtout nous présenter la partie culture, la haine culture de ce jour. Mais Patricia Litoko s'occupera spécialement et comme d'habitude, malgré que Yazan a maternité, mais à s'occuper d'un éphéméride comme d'habitude. Comprenez que c'est encore un bébé qui va essayer de vous présenter cette partie de votre émission. Alors, Esther Jessie, bonjour, bon mardi. Bonjour Lumumba, bon mardi à toi aussi. Ça va? Ça va très bien. Tu es fâché contre qui, Patricia? Qui vient pourquoi, de naître? Pourquoi vais-je me fâcher contre une personne qui vient Parce de que naître? Tu n'avais pas commencé par ton sourire, ton mignon sourire là qui est vraiment si important, très important. Tu es en train d'acheter les couches. Ah, tu as acheté encore des couches pour Patricia Litoko. Ah. Tu vas aller à la maternité à quelle heure? Après l'émission. Voilà. Il faut que tu ailles voir le bébé qui est en train de... Alors, les téléspectateurs de Kalamu sont en train de te voir. Alors, bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue à ces deuxième numéro de la semaine. Alors, comme d'habitude, vous le savez que voilà, nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour vous rendre ce que nous pouvons faire. Et merci parce que nous le remarquons que vous êtes là avec nous, que vous nous soutenez. Et restez branchés, restez scotchés parce que comme on le dit souvent, le menu est tellement bon et tellement bien préparé. Il y a vraiment, il y a de bonnes choses qui sont là. Et alors, comme d'habitude, restez branchés. Alors, elle n'est pas la seule au plateau B. Krisnovi Mujinga, la maman beauté, est également présente pour nous présenter. Hein, aujourd'hui, on aura un numéro beauté avec elle, mais d'abord, je la salue. Krisnovi Mujinga, bonjour, bon mardi. Bonjour Lumumba. Ça va? Bonjour Patricia. Ça va très bien. Alors, bonjour Patricia qui vient de naître. Okay. Ouais. aujourd'hui. J'en profite hein, pour la souhaiter un très joyeux anniversaire. Et surtout qu'on a chanté pour elle ce matin. Ouais, ouais. Là, c'est... La technologie a évolué. Ah oui, la technologie évolue, le bébé de quelques heures. Il pas. Quelques heures seulement qu'il parle, bon, ça arrive. Alors, Krisnovi Mujinga, les téléspectateurs du camp Colonel Tchati sont branchés. Salut à vous, fidèles téléspectateurs, je suis
vraiment ravie de vous retrouver encore une fois de plus sur ces plateaux pour partager des moments ensemble avec vous. Alors soyez branchés pour ne rien rater. Retour sur ce plateau fidèle téléspectateur pour parler du sujet du jour. Vous le savez, nous parlons amour et aujourd'hui, nous allons revenir sur ce grand thème qui parle de l'amour. Et en amour, le thème, parmi les thèmes que vous nous avez envoyés, nous avons choisi l'influence que peut apporter, quelle est l'influence Oyokokiko Memama Nakatia couple en ce qui concerne âge, donc l'âge Nakatia couple et Koukosa la influence Nini. Vous avez compris que nous revenons toujours la numérie Love qui est votre thème principal qui nous accompagne. AJ, Esther d'ici, on parle encore une fois de l'amour. Selon toi, tu peux te retrouver aux côtés d'un homme plus âgé, ça ne te dirait pas quelque chose? Plus âgé ou un homme âgé? Je parle de plus âgé. Parce que normalement, l'homme doit être âgé que la femme. Mm-hmm. Mais plus âgé, je pense que... Il y a nuance. Bon, ça dépend de l'écart, ce qui est vrai. Je ne voudrais pas aussi m'accoupler avec un homme qui est plus âgé. Non, mais pourquoi c'est... Non, parce que c'est une question pertinente. C'est une question pertinente. Bon, on doit se le dire. Ceux qui sont avancés en âge, baza bato yo, baza déjà cultivé, on doit se le dire. Ce sont des personnes où baza na expérience, na eloko. Et ceux qui baza, si au cas où vous vivre na mutumoro ya bongo, tu verras que voilà, à côté où vraiment à l'aise. Une certaine maturité, voilà, Akotia est vraiment à l'aise parce qu'il a eu à avoir certaines expériences à vie. Et voilà, avantage à Rosana Mouto, à plus âgé. Plus âgé. Voilà. Donc tu es partante. Oui. Alors, réellement, B, tu penses que être aux côtés d'une dame qui peut avoir 50, 60 ans, ça vaut la peine. Dieu merci pour moi, puisque aujourd'hui, dans mon bateau, j'aurai assez de passagers. Et il commence bien. Non, puisque récemment, j'étais le seul sur mon bateau, voilà. Presque seul, voilà. Mais aujourd'hui, au moins, j'ai pu acheter les confiances du camp adverse. Voilà. Là, tu parles de Edge. Esther d'ici. Non, mais bon, en termes d'amour, l'amour de Jeanne n'a pas d'âge, dit-on. Et je pense que c'est une question, excusez-moi, assez cruciale, puisque quand ça parle amour et que lorsque ça sent de l'amour dans l'air, alors là, on perd les mots, on perd même le temps de poser de questions sur les âges et ainsi de suite, puisqu'on est adulte, on sait de quoi je parle ici. Alors, en termes d'âge, comme je viens de le dire tout à l'heure, j'en reviens donc à tes propos. Je trouve que ça ne pose pas assez de problème, voilà. De lors où, comme je le disais tantôt, que l'amour n'a pas d'âge. Un jeune, peut-être, ayant la trentaine, voilà, il est libre de ses choix, déjà. Hein. Il peut aller dans tout ce qu'il veut. À la limite, il sait ce qu'il est en train de faire, et voilà, c'est lui et sa conscience. Là, tu justifies ta position. Esther a donné l'influence ou les conséquences du côté quand même positif. Alobi, Ezali, façon et Akoyeba. Voilà. Montoise est déjà mon collègue. Exactement, elle avait raison. Et avis. Elle avait mais raison. De ton côté, parce que tu partages le même point de vue, na Esther Jessy, quels sont tes arguments? Non, mais mes arguments seront que, voilà, je pense que c'est bénéfique pour l'un pour l'autre, puisque dès lors où ils se disent oui, et cela en amour, Yebi, le pourquoi? Et aller farfouiller savoir ponani ni ka bolingani bongo, je pense que ça serait une mer à boire, voilà. Et ils ont ces raisons de se mettre ensemble. Bon, le pourquoi, les causes et tout ça, inconvénients et tout ça. Bref, j'essaie de me mettre à la place de tout le monde et respecter les choix également de tout le monde. Est-ce que c'est un vrai amour qui peut exister entre les deux? Exactement. Là,
papa, mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, même dans les moindres recoins de l'espace. Francis Cabrel. Alors, Patricia Litoko, il y a Esther Jessie et Raël Mombe qui pensent que l'amour est possible également entre couple et amour. Quoi, Zadi Mukolo Makasi par rapport à Moussousou. Point de vue, Nayo, tu es de même avis? Bon, excusez. Voilà, donc il faut déjà dire que il y a un adage qui nous dit, ou il y a encore une phrase qui dit que l'amour n'a pas d'âge, comme je venais de le dire tout à l'heure réellement B. Mais il ne faut pas oublier que malgré que l'amour n'a pas d'âge, il est toujours important qu'il y ait un certain écart, hein, donc un léger écart, ça il faut le dire comme ça, un léger écart entre les couples. Ça va jouer beaucoup plus, ou encore ça sera bénéfique sur la longévité du couple, l'épanouissement du couple également. Et voilà donc. Donc on ne va pas dire que comme l'amour n'a pas d'âge, j'ai 30 ans, je vais aller me marier à un monsieur qui a 65 ans, juste parce que l'amour n'a pas d'âge. Non, voilà. Parce que là déjà, ça va jouer beaucoup dans votre couple. Ça va, votre couple ne sera pas vraiment, stable du point de vue moral. C'est-à-dire qu'un monsieur de 65 ans a à réfléchir des moussoussous. Jeune fille, P.O. Azaline, à 30 ans, a zo réfléchir P. Ndenge Moussousou, Lumamba. C'est-à-dire, et Gozala, et l'or, on a quatre couple, on a vraiment, on a un désaccord mingi. C'est plus les intérêts qui sont visés. Hein. Voilà, donc, bon, nous en avons des accords, mingi, parce que réflexion la bango déjà, et zandengue mon côté. Ma kansina bango, et banoutam boulandengue mon côté. Voilà pourquoi on dit il est important, parce qu'il y a même une étude qui a été faite pour dire que l'écart, il fait à la léger vraiment. Écart fait à la léger entre ma couple, entre 4 ou 5 ans. Si vous avez commis écart, il y a 15, 10 déjà, 15, 20 ans, et on jouait ma kasi la stabilité à couple. Voilà. Donc, selon Patricia Litoko, 15 ans d'écart, c'est beaucoup, vraiment c'est beaucoup insupportable. Voilà. Sur le... Il y a longévité, Kaka. Longévité na épanouissement. C'est très important. Na entente pe au anango. Compréhension pe aux alamou qui makasi. Ce qui écart, il est qui makasi. Remarque, un couple, au basali, un écart, par exemple, il y a 3 ans. Tu verras que couple wana ils ont un couple mongo harmonieux au monde. Donc bazo yokana na ndenge bazo vivre. Bon voilà, tu ressens la boue, tu ça la boue. Donc entente ils ont la makasi na ba projet na ba monde d'avenir. Par contre, papa o yaza na 65 ans wana. Na jeune fille wana ya 30 ans lumamba. Le papa ça ça li vit moins mingi. OK? Donc à ça lembi. Même moralement peut atiper à lembi. Aza son attente que mana le barabou. Ah mana peut-être ma comme sous moi ça ça azo talé kaboui. Donc azo perdre pelisu sous autorité naé, à perdre autorité devant la femme. Parce que la femme va se dire voilà, moi je suis jeune, yo za mon colo, tikanga na ça la vie, tikanga na na c'est pelé, yo ça la vie. Tu vois un peu dans ce sens-là. D'où il faut écart et zalamouki. Alors réellement ben écoutant Patricia Litoko, elle n'a pas tort parce que les arguments o ezali azali ko avancer, ezali l'amour existe que quand il y a des preuves. Mais si déjà sur le plan physique ou le plan psychologique, mon bali, tout moi, c'est à Saliming, à donner Ming, à Zana droit et à repos, à âge, mon reboyé, et l'autre reste, ben, risque à Rosala, assoiffé, et à Oyo et Sengeli, comme ça, la bonne vie. Sur ce point-là, je pense que Patricia pourrait avoir raison, mais cela 50%, puisque lorsqu'on se met ton amour dans un couple, il y a des objectifs fixés. Et cela avant d'abord de tenir compte de nos âges respectifs. Voilà. Et il y a de ces femmes-là qui se disent, mais bon, je suis assez, ou soit, je suis assez âgée que toi, peut-être mon homme, et ainsi de suite, tout ça. Mais voilà, en termes d'amour, on a peut-être un objectif autotier, ou soit, un tel, et ainsi de suite. Donc là, côté Wana Torosa, beaucoup plus penché, t'es là que peut-être l'expertise d'une personne, son nini. Non, non. Déjà, de l'or où Ndekomoko, Azana Nanini, comment appelle-t-on son expérience, c'est à la moitié, c'est à mon bali. En termes d'âge, et puis en termes de la vie, et que Andimi, Amitia, en couple, peut-être moi, c'est à mon colo, dans mon bali, peut-être il y a moi la moukie. Voilà, bon, pas moi la moukie, vraiment au vrai sens du terme, moi la moukie. Moi la moukie en termes d'âge, il y a les qui est, l'âge, voilà. Et ça, là, il y a beaucoup plus pour la partager, non seulement expérience à yé, à Zanayango, pour inculquer puis ma nouvelle connaissance, pour cheminer ensemble. C'est alors que. Je pense que si et seulement si
amitié ensemble au nom de l'amour, des synchrones qu'on a assez accusé et assez remarquable. Pourquoi? Parce que on a vraiment un salawana, il y a qu'au tonganzela na nengé na bango. Donc c'est un peu ça. Alors Esther Jessy, nous pouvons dire qu'aujourd'hui que Baoudjana Otobengaming Menakita, c'est un terme que nous sommes en train d'utiliser à Kinshasa, n'ont pas raison. Partant de ce que Patricia vient de dire tout à l'heure, Bazana raison, Terozana, Batouana, Nana, Bapapawana, si ce n'est que par profit ou intérêt. Oui, ça, c'est vrai parce que, bon, de toute façon, Bazosal et Lango, ils ont un objectif, bon, ils ont un objectif manquant, bien, c'est pour un but, ou ils ont y a quelque chose, mais ce n'est pas pour un but, il y a sens que Mutavanda avec la personne et tout. Relation, hein, c'est juste une relation, il y a un temps, tu gagnes ce que tu veux et puis voilà, la personne part. Mais en parlant de ça, s'il s'agit de vivre en relation avec une personne qui est une personne vraiment âgée, et comme l'a dit Rayel Mambé, ce n'est pas, c'est pas seulement, il n'y aura pas seulement des équilibres ou non. Même sur le point physique, oui, certes, mon voilà, ça plus âgé que yo, bien, moi ça c'est plus âgé que yo. Il y a de ces personnes qui sont influencées dans le sens où on a que non, attaque au bimana, c'est un peu problématique parce que Patricia l'a dit, épanouissement, ça l'aura bien. Mais dès lors qu'il y a l'amour, il y a les yeux qui sont bandés. Mais la question que je me pose, est-ce qu'il y a un vrai amour? C'est possible. Na place au Batouazali, par exemple, Mobal a 60 ans, moi, ça en a 30 ans. Franchement, est-ce qu'il y a l'amour là? Ou il n'y a que des intérêts qui sont... Il n'y a que des intérêts, Lumumba. Je peux... Oui, oui, parce que, imaginez, un couple... Il faut le dire, Lumumba, il faut qu'on se le dise. Un couple, ils ont un quart, il y a âge, makasi. D'abord, il faut le dire, ils ont encore un intérêt. Donc, la femme, a dit, mi, kozalana, le monsieur âgé, juste par intérêt. Et une fois que ma intérêt n'a et puis ma couple a bongo, on va le remarquer, et où me la rapenzate. Donc, souka va se séparer. Parce que moi, si, Ayaki n'a pas intérêt. Non, mais là, peut-être en Afrique, mais sous d'autres cieux, ce n'est pas vraiment l'intérêt qui est visé. C'est presque partout, je te dis, mon frère. C'est presque partout. Pourquoi tout le monde a ka, bandeko bakei, bandeko babima bamboka, bakeva na bamboka mipaya, au moins, moi, la mouke, andimi à vivre na papa moko ya mundele. Parce que, azol andaka intérêt. Voilà, donc ça la longue ville sous soutien dans tout cas la Bible et ça a intérêt l'homme. Voilà, Esther, si vous voulez compléter un truc. Oui, Esther. On va se le dire, dans chaque cas il y a des exceptions. S'il y a la majorité de gens qui acceptent de vivre avec des personnes âgées par intérêt, on doit aussi reconnaître qu'il y a aussi de ceux qui acceptent de vivre par amour. Exactement. Ça, c'est vraiment... Dans chaque cas, il y a des exceptions, il y a des particularités. Et puis, notons également que... En tout cas, dans ce cas. Dans ce cas-là, je ne le pense pas. Exactement. Notons également que l'appétit vient en mangeant. Ça n'a rien à voir avec l'histoire d'âge, l'écart d'âge. L'appétit vient en mangeant l'indigne. Non, non, non. Mais avant, peut-être, on était dans autre chose. Et puis, voilà. Plus on... Quand on a faim, on cherche à manger. Voilà donc... Ce qui moi la moi ça ça ah j'aime que à quel point tata mon colala l'indé intérêt. Illustre. Parce que là qui l'indala qui pose sa colia. Je veux bien. Tant ma colia il y a deux cet exemple. Voilà. Direction le Nigeria. Pande Robanabi se battait là-bas film nigérian. Et ça na moi si mon comme on est actrice mon comme on est Regina Daniels. Regina Daniels. Voilà. Ah heureusement toi tu connais l'histoire. Elle a pris pour mari presque un pépé. Mm-hmm. Allez-y comprendre. Ils sont ensemble. Comment peut-on ça s'est allé par-ci par-là en plage et ainsi de suite. On ne trouve pas déficit ou on a d'amour ou soit décadence ou on a de solo. C'est par intérêt parce qu'il faut le dire, le monsieur est milliardaire. Ça déjà, il faut le dire. Alors, c'est le déjà monsieur n'a pas que Regina comme femme. Mm-hmm. Okay, le monsieur en a déjà 8. 8 femmes. Il a 8 femmes. Regina est, je pense, la 8e. Ok, donc il y a que des intérêts. Donc là, toutes ces femmes sont allées là-bas. Aujourd'hui, là, le monde est vraiment noué. Non, non, par le bébé de son. Et il veut épouser encore une 9e. Il veut épouser encore une 9e. Ouais, c'est ça. Il y a encore une 9e. Moi, je le sais. Mais c'est à nous de poser peut-être la question à Regina Daniel. Olinga qui est pour l'intérêt, tout pour la bolingo. Même si Bissot a indexé du doigt que Olandi Pepe pour la mbongo. Même si il y a eu ce que. Bon, avant d'aller, que Pepe a la mbongo, la linga n'a été là-bas. Voilà. Non, mais c'est qu'après que la comprenait qu'il y avait Partant des expériences ou tout ce que les aînés sont en train de nous dire, Tozalina a l'impression que l'on a été
kolinga mukolo. C'est vrai, mobali le seigneur za la mukolo ya mwasi. Mais âge il faut que ça la raisonnable le bien mon Patricia dit. Tout à fait. Il y a de ce couple là que nous connaissons, de ces papas là et maman qui se sont unis jusqu'à aujourd'hui basant ensemble. Heureux, mais basalé dans les cars à 12 ans. Voilà, et en parlant, ans, oui, je sens c'est passable. Dire, ouais, sans mais ceux qui ont déjà commis 20 ans, 25 ans, c'est... Non, non, mais sans te retirer la parole, allons-y au quoi. En France, prenons Emmanuel Macron et sa femme. Allez-y, comprends. Est-ce qu'il y avait eu de l'intérêt au départ? Il y avait eu de l'intérêt? Là, c'est, il n'y a que... Tu non, il n'y avait pas eu de l'intérêt. Et aujourd'hui, nous sommes où nous en sommes. Je voulais donner un exemple d'une amie à moi. Alors, qui a été mariée comme ça à un monsieur plus âgé que lui. Donc quand je dis plus âgé, c'est-à-dire le monsieur doit avoir maintenant dans les 75, c'est 75 ans. Tu vois, donc Azana a âge voilà. Et l'ami à moi a moins de 40 ans. Déjà, premier problème Azana en haut, l'ami n'arrive pas à concevoir. Et l'ami se dit, voilà, monsieur va bientôt toucher, on passe ça déjà à la retraite, bon, on est à plus de 30 ans d'expérience à Moussa, la place à Salah, donc imaginez le chiffre, en termes de chiffres, bon, on est au Bima. Non, l'ami déjà, comme il déjà au bêta, calcul. Si qu'on est à Boué, nazo concevoir, imagine. Donc le monsieur a compris que la femme est qui a intérêt d'ailleurs qui vers ngai. Si quoi à mon que ma intérêt na ils ont comment na soukaté. Donc je dois aussi pour moi aussi prendre mes décisions. Donc on a où dit aux hommes on a la banque na l'équipe aéroport quand dans attend à la gomme après aéroport avion ma camion surtout na kei et je laisse la femme. Tu vois, le monsieur a compris que non à l'inga qui a intérêt. Donc et place là ils a qui a intérêt parce que quand la femme déjà commence à se plaindre na concevoir té et l'autre comment té na ça moi na été donc c'est vrai, Baba Lana qui tina civil, mais ce que tu as déjà calculé, qui m'a dit que tu as un divorce pour que tu aies un 4-4. Encore une fois, salut un matin, l'amour dans le cas évoqué fera qu'on ait les avis partagés. Tout à fait. Les réalités effectives dépendent d'un couple à un autre du point de vue sentiment et surtout côté sensuel. Les personnes les plus âgées, bien créant l'expérience présente cependant un inconvénient crucial. Ah, c'est très important, hein, il faut souligner. Elles sont toujours très comparatives au passé. Vous êtes en train de recevoir une réaction d'un téléspectateur qui a complété et il dit du côté sexe cela est totalement impossible entre une fille doublement moins âgée que l'homme à titre d'exemple un homme ou une femme de 70 ans, 70 ans ne peut pas tenir toute une nuit avec une fille de 30 ans, c'est le début des problèmes et c'est la contribution de l'administrateur. Alors, je pense que l'administrateur est en train de... Quelque part, dans un sujet qu'il a pu évoquer, voilà, je crois qu'il a raison, puisque je connais une aventure qui s'est passée très précisément vers Delvaux, d'un papa qui a succombé, voilà. Donc, il a succombé puisqu'il avait pour petite amie alors, une vraie femme, une vraie fille, voilà, voilà. À partant de cet exemple-là, tu vois que tu étais à côté, il ne faut pas accepter une relation pareille. Non, je le dis pourquoi parce que le vieux il a succombé puisqu'il devrait succomber. Remplir le devoir. Il avait signé pour remplir le devoir et il n'a pas pu. Il devrait partir. Ça c'est vrai. Mais quel est le conseil que tu peux donner à tous ceux qui nous regardent ce matin réellement bien avant de chuter? Le conseil serait de voilà d'abord à la limite je respecte les avis de tout un chacun, les propositions, les positions également de tout un chacun. Je n'irai pas me substituer à qui que ce soit pour refuser ou soit accepter quoi que ce soit. Voilà. Alors, aux amis mobiles, aux amis aussi, sens-toi à l'aise, bisika aux okende. Donc, ce que rolinga muto, donc muto yo rolinga, yo moyeba que, en termes d'amour, je le vois sur mesure. Point barre. Voilà.
Alors, Patricia Littoro qui va également conclure pour aujourd'hui. Voilà, alors, quelques réactions seulement tout à fait. En rapport avec lui. Alors, lui, c'est le prince de la ville, Jules Bimancha, qui nous écrit. Il dit, c'est un très bon sujet. En fait, le sujet du jour est très bon. À mon avis, l'intérêt est dans tous les couples, quels que soient les âges des conjoints. L'intérêt n'est pas que matériel ou financier. L'intérêt sentimental existe aussi. Voilà. Alors, Céline Dion et son feu producteur, la même Céline, après la mort de son mari, est tombée amoureuse d'un jeune homme de moins de 20 ans que exactement. Lui. Voilà, donc même la prière, il dit, et il renchérit pour dire, même la prière est aussi un intérêt. Voilà. Ouais. Alors, ah, il y a Madonna également qui est tombée dans ça. Madonna, d'ailleurs, son petit ami Jésus, voilà. Jésus, donc le petit ami de Madonna, il peut avoir mon âge, voilà. Ok. Et vas-y comprendre, Madonna, quel âge? Alors, là, nous allons essayer de important, Lumumba, il est important de savoir que vraiment la tranche d'âge pardon, nécessite un léger écart. Mm-hmm. Donc, écart fait à la taille à 5 ans, 6 ans, 7 ans, on peut tolérer aussi. Mais ceux qui commis déjà là-bas 10 matin. Voilà, il y a un mobile, il est au côté à moi aussi. Côté à mobile. Côté à mobile. Et le côté à moi aussi. Colo, Namine. Mais en tout cas, relation, il y a mobile, Azali, Leki. Par rapport à moi, si je suis contre. Attends, Namboula, moi, quoi. Contre cela, en tout cas. Contre. Attends, Namboula, moi, je suis contre. Je connais déjà deux couples. Bon, vous savez, là, ça va pas t'avoir. Président de la République. Ça, c'est un autre cas. Voilà, clin d'œil spécial à Nono Mukambu, l'élégant millionnaire, l'homme qui assure le social de ses compatriotes. Il est là, présent, lorsque vous criez vers lui, il assure et il soulève quand même les montagnes, il déplace les montagnes et il soulève tout ce qui est lourd en termes monétaires. Bonjour et surtout, bon mardi à vous, messieurs, le millionnaire patron de la Fondation M. KS. Je salue également en passant mon ami Jocelyn qui est là toujours pour nous soutenir. Mbote P, Nandeko Issa Color, hein, le boss Issa Color, l'homme qui inspire les générations qui viennent. En termes, il y a Moussala, Moussala Randefo et Monana, Moussala Randefo et Yokana. La boss Issa Color, nous se a assuré. Merci et surtout bonne journée à vous. Réellement, nous allons devoir chuter pour prendre la dernière rubrique de cet hémicycle. Il est le musulman le plus élégant, le plus courtois. Il est frais, il est galant, il est gentil. Lui, c'est Boss Issa Color. Encore une fois, merci à vous et surtout agréable journée du mercredi 23 février 2021. Nous saluons également le boss Serge Kalambay, hein, le véritable patron beau gosse depuis les États-Unis d'Amérique. Lorsqu'il promet, il réalise. Mbote place aux alliés depuis States, hein, qu'un Congolais de moins en RDC, mais un Canadien de plus. Un niveau à Canada, mais plus précisément, côté aux alliés, on a Mbote place aux alliés. Mbote P, Nandeko Bosco, Kouvona, le Njilois de moins en Njili, le Canadien de plus au Canada. Clin d'œil spécial, Nanayo, Mbote, commissaire Abisson Mbote, na Mireille Kouvona, depuis l'Angola. Sans oublier la sœur Lukombo, depuis Londres, hein, mère double, Mobali Abatou. Et à Vie, ça coule, Mandefo à Pembe, synonyme à sagesse. Mbote, côté Ozali. Alors, nous allons prendre le programme du fonctionnement de Numérica avec Patricia Ditoko, la réelle. Voilà, fidèles téléspectateurs, suivez le programme du jour, histoire de vous d'être au parfum de la manière dont Numérica Télévision va fonctionner en cette journée du 23 février 2021. Juste après cette tranche d'animation, nous allons vous proposer le magazine La Politique. Il sera suivi à 11h30 par le magazine Quelle Boule avec David Salah. Et à 12h15, nous allons vous proposer le divertissement avec le groupe théâtral L'eau n'a pas de couleur. 13h juste, un moment de détente. Et à 13h15, nous allons vous proposer comme ça la petite exhortation Mungunjo Shefu avec l'apôtre Christian Joshua Katambski. Et à 13h20, retrouver comme ça, 13h Baka, Luntadila pour le conte du film nigérian.
Voilà. Et à 15h15, nous allons vous proposer le magazine Lucarne, 16h juste. Retrouvez le groupe théâtral Arche de Montier-Co pour votre divertissement. Et à 17h juste, vous allez suivre comme ça le magazine Conseil de la vie. Il sera suivi à 17h50 par la prédication de l'ignorance à la connaissance avec l'évangéliste Roger Ebaka. 18h40, place aux instants Toloba Tolobaté. Et à 19h, juste, nous allons vous proposer la grande édition du journal télévisé de la haine, bien préparée par cette grande équipe rédactionnelle de NUM TV. Voilà donc, 19h30, suivez le magazine Chassant la pauvreté, et à 20h10, divertissement une fois de plus, mais avec le groupe théâtral Aigle d'Afrique. 21h10, vous allez suivre le magazine Consultation, et à 21h40, retrouvez Junior Bompema pour le compte du magazine Café des Sports. 22h10, il sera encore là, ça sera pour le direct, David Sala avec le magazine Quelle boule. Et à 23h, nous allons vous proposer une page magazine. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Patricia Litoko. Joyeux anniversaire, Motama et l'amour, Motama et l'amour, Motama et l'amour, Patricia Litoko, Motama et c'est l'une des surprises. Si on direct comme ça, et voilà, Fanny Chocolat Chaud surgit avec le gâteau. Alors, chers téléspectateurs, vous allez comprendre que elle n'était pas vraiment préparée. Exactement. Elle s'attendait le mois. Mm-hmm. Ça vaut la peine. Nous sommes la famille. Nous sommes la team N Matin. Alors, c'était la première surprise. Et la deuxième, la voici. Voilà. Mon Dieu. Patricia Litoko. Un portrait. Digne de son nom. Sur le piano. Patricia Litoko. Non, avec tout son sourire. Oh là là. C'est comme ça que ça se passe. Merci. Voilà. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Alors, l'artiste va prendre le plateau B de cette émission. Voilà. On va parler avec lui. Nous allons parler brièvement de cet artiste qui a appris que c'était le jour de la naissance de Patricia Litoko. Voilà. Et il n'a pas hésité pour faire voilà. Ça. Exactement. En tout cas, joli, ça valait chaleur. La peine. Merci beaucoup. Alors, Patrick, merci. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est maintenant que tu connais, tu vois Patricia Litoko. Exactement, c'est alors, tout de suite. Et c'était vraiment un plaisir de faire ça avec cœur. Et on est ensemble, c'est tout ce que je veux dire. Apparemment, t'es pas un scénariste, tu es de la caméra. Non, si, c'est juste que ça m'a pris aussi moi-même par surprise. Voilà. Alors, je ne m'étais pas vraiment préparé, mais on fait juste un impro et tout ça. Voilà. Merci. Il merci fallait improviser. Alors, moi, je suis tenté de savoir. Les bougies ont fondu, je n'ai pas soufflé, ils ont fondu. Non, tu peux, vas-y, tu peux souffler. Alors, j'étais en train de poser la question de savoir, ça fait combien de temps que tu es dans cette façon de faire? Ça fait déjà une affaire de 2 ans. Voilà, 2 ans pratiquement. 2 ans, que tu es en train de... Mais ça, c'est vraiment moi, hein. Sauf que ça manque, il manque le piercing là. Voilà. Okay. Et pour ces frères-là, ces sœurs qui pensent éventuellement bénéficier également de tes services, je ne sais pas s'il y a peut-être un contact ou soit, je ne sais pas, ils peuvent bien sûr, faire bien quoi. Bien sûr, il y a un contact. Alors, le numéro, c'est seulement le plus 243, voilà. 82, 0, 577, 537. Si tu peux répondre pour une... Dans le plus 243, voilà. 82, 0... 577, 537. Soit qu'il y a une page Facebook sur laquelle... Bien sûr. Mais pour le moment, je ne me suis pas encore lancé à poster d'abord
des images sur Facebook des œuvres et tout, mais je prépare des œuvres tellement fantastiques, ça sera vraiment. Notons également que tu sors fraîchement de l'Académie de Beaux-Arts, c'est ça? Principalement, non. Principalement. Non. C'est juste que j'ai eu des cours. Oui, c'est un don inné que Dieu m'a donné, que j'ai dit merci. Ok. Et que j'ai perfectionné avec des cours en ligne. Ok, ok. Et voilà. Merci infiniment. Alors, par vous êtes en train de elle envie ce portrait. Merci beaucoup. Elle se voit, c'est comme dans un miroir. Exactement. Et alors, moi, je suis tenté. C'est quoi vos projets en termes? C'est fait avec crayon, tout simplement. Oui, je suis avec juste le crayon. Juste le crayon. C'est quoi? Quels sont les projets que vous avez? Ok, si je dois parler de mon projet, c'est de faire valoir l'art de la République démocratique du Congo partout dans le monde. Voilà. C'est ça mon plus grand projet. Mm-hmm. Et petit à petit, je pense que Dieu va m'aider à atteindre ses buts. Exactement. Ultimes. Nous également, on pourra éventuellement ramener notre touche supplémentaire, voilà. Chose faite d'ailleurs. Alors, tous ceux qui veulent aider l'artiste Patrick Mboyo, qui est vraiment, qui a du talent, il n'a pas appris, mais Aza Nangwa, Botama Nango, vous pouvez quand même venir en aide d'un numéro à Pesaki. Mais en passant, nous saluons Jojo Ngonda Imene, l'homme qui est bourgeois, l'excès de la bourgeoisie. Il le fait tellement bien. Depuis quelque part, Mbotepe, la générale Sam Kabila, la fierté de l'armée. Bonjour et bon mardi à toi. Je rappelle que vous avez déjà repris, vous avez travaillé, vous avez fait la même chose pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Exactement, bien sûr. Et le portrait est encore entre vos mains. Bien sûr, tout à en fait. En chantier, il est toujours là. Déjà fini. D'ailleurs, même, je l'ai exposé à B1 Show, voilà. Qui avait eu spectacle le 18 février à Villa Chitemba. Voilà. J'avais même exposé, je pense que c'était vraiment. C'est là où j'étais connu, d'ailleurs. Exactement. Et c'est je pense que nous ferons de nos mieux pour que tu aies ce portrait. Donc, c'est un cadeau qui vient de ta part. Ah, si, il ne fallait pas dire ça. C'était la surprise. Alors, c'est merci comme ça que ça se passe. Christophe Mujinga et Esther vont nous rejoindre sur ce plateau parce que le temps file. Réel Mambé, nous devons nous séparer des téléspectateurs. Patrick Mboyo va rester au plateau B pour des annonces avec nous. Exactement, puisque nous tenions bien sûr mordicus à notre passion qui est de vous servir, fidèles téléspectateurs. La preuve, on vous a tenu compagnie de 8h à 10h passées, voilà, de quelques minutes. Et ben, on pense donc se séparer et vous dire donc au revoir, au revoir demain matin et très rapidement. Je ne peux en aucun cas quitter ce plateau sans remercier certains frères qui ont rehaussé de leur présence. Je vois le chef Gloire Mena, voilà, et sa tendre épouse Tania Lou Bouélé, voilà. Il y avait également monsieur le président Lionel Kasongo de l'ASBL Cri du Congo. Il y avait également les sœurs Zantoko, Balonga Prix Nobel, Yamouté Mabolamou, Pobango Benza, Bazana Mouté Mabolamou. Je vois Espérance, voilà, bébé, Florence Philo Zantoko, et enfin, elle suite Passion Zantoko, donc Espérance, bébé Zantoko. Voilà. Il y avait également monsieur l'expert comptable Johnny Kalombo qui m'a loupé hier à la place des huiles. Voilà, le banquier Omer Kassanda, même les plus ivoiriens savoir que tu es un patron. Monsieur Christopher Kaniki, le banquier. Il y avait également monsieur l'entrepreneur au vrai sens du mot, monsieur Gloire Nguébé de Pluie, Paris, France. Et pour clôturer, Charban Lelo Dior et Coucher du Soleil et la petite Angie Didi Mola depuis la maison. Christophe Mujinga, nous devons d'abord nous séparer des téléspectateurs. Donc voilà, c'était vraiment un plaisir de partager ce moment ensemble avec vous, hein, avec l'équipe La M Matin et puis ensemble avec vous, fidèles téléspectateurs. Merci pour votre fidélité, on se retrouve demain. Alors, Esther? Voilà, en tout cas, c'était un grand plaisir de nous revoir encore aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure et surtout, comme d'habitude, je le dis, restez branchés. Je m'en verrai. Il y a celle qu'on appelle Joël Basile-Onia, ma grande sœur, une infirmière de luxe. Je pense aussi à Ruth Mavoka, une amie de longue date, Talararayo. Et puis je pense aussi à Shadrach Meshach Guimarães, hein, l'unique jeune qui a un triple nom, voilà, le PDG d'Express Congo et puis Guimarães Productions. Titi Timo. Titi Timo, j'ai pas entendu. Il fallait que tu finisses par Titi Timo. Avant de prendre le bébé du jour, alors nous allons prendre d'abord Patrick Mboyo, qui est l'artiste qui a fait une surprise à Patricia Litoko aujourd'hui, le jour de son anniversaire. Tu as des personnes
Bien sûr, tout à fait. D'abord, je remercie mon père de m'avoir permis d'être à venir au monde. Et je remercie Dieu aussi en même temps. Et je remercie M. Dauphin Boulamatadi. Le manager. Bon, on peut dire ça. Et toutes les personnes qui me suivent dans l'émission B1 Show, je vous remercie parce qu'ils m'écrivent de partout et ça me fait vraiment plaisir. Et je remercie aussi M. Lumwamba de m'avoir invité. Et écrivez-moi, appelez-moi et vous ne serez pas déçus. Alors, tu peux passer quand tu veux, s'il y a une communication, mais nous allons demander, parce que tu avais demandé à ce que si Numérica peut te trouver l'espace de 5-10 minutes pour exposer les œuvres. Bien sûr, exactement. Je pense que le vendredi, quand tu viendras, la directrice générale de Numérica sera là pour également te rencontrer. Il suffit seulement de respecter l'heure qui sera donnée. Nous allons te communiquer très prochainement. Patricia Litoko. Voilà, merci à vous tous fidèles téléspectateurs, merci à vous tous qui m'aviez écrit, merci à vous tous qui avez envoyé des vidéos, merci. Oh là là. C'est normal, bon voilà, vous êtes tellement nombreux, Jules Bimancha, Shang Bimancha, Serge Cinéma, merci au salon Bundesliga à Kauka avec Charlène Kiyama qui avait pris soin de me coiffer, voilà et merci. Allez, non, Kokate, l'équipe. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous devons mettre un terme à ce numéro, un numéro qui est exceptionnel avec l'arrivée au monde de Patricia Litoko, la diva de la team qui a célébré aujourd'hui, c'est 40 ans. Merci à vous tous qui avez tapé à côté et vous qui avez quand même réalisé. Oui, elle a 40 ans. Tu peux regarder pensant qu'elle a 30 ans, non? Elle a réalisé 40 ans. Elle est fière de l'être. Ah, elle est encore jeune. Comment on fait? 4-0. voilà, c'est vraiment exceptionnel. Merci à papa Elvis Germain Litoko. Et à maman Adèle Lusako. Merci à maman Adèle Lusako également. Merci à toutes ces personnes-là qui permettent à ce que Patricia soit forte et surtout déterminée. Clin d'œil spécial et mention spéciale à la direction générale de Numérica Télévision en pensant directement au premier citoyen, le premier journaliste de Numérica, Jean-Pierre Kibombi Shinto Ramoussé. Vous m'avez pas donné le couteau, j'ai commencé. Commence déjà. Alors, et Madame Kiki Kibombi, sans oublier, bienvenue Babo, Nadine Maïfula et tout le monde qui nous accompagne. Le prochain rendez-vous avec votre N Matin, c'est demain à 8h, heure de Kinshasa. Chers téléspectateurs, prenez bien soin de vous. Nous, on continue à fêter ici. Au revoir. Ciao. Vous êtes amoureux d'un bon petit déjeuner? Alors, prenez votre déjeuner. C'est avec immense joie que nous vous retrouvons encore une fois. Et voilà, nous sommes là pour vous servir. Nous, c'est cette grande équipe de la N Matin qui vous tient en compagnie du lundi au vendredi de 8h à 10h. N Matin, le rendez-vous des amoureux de la positive attitude.